congodialogue.com. Congodialogue.com. Très heureux de vous retrouver encore tous connectés sur www.congodialogue.com. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Analyse. Analyse, une émission où nous traitons des questions d'actualité politique, économique, sociale, donc tout ce qui ronge notre pays. À travers cette émission, en tout cas, on essaie de tout décortiquer. Karané Toumissan Loba, déjà, grand merci à Femme des Valeurs, Francine Ngembe, 100% canon. Et puis, nous allons soutenir l'émission Analyse, entre autres, Toumoni, Jean-Roger Finda. Merci encore une fois, mon vieux. Donc, on est ensemble. Merci encore une fois, na Tibouana Océan, sans oublier Pirongombo, El Picasso. Donc vraiment, jour pour jour, actualité, ils ont continué Kara, Kokoba, na RDC. Alors cette fois-ci, tu as le solo et actualité, ou encore analyse Nabiso Lelo. Tout ça, on a invité Nabiso Paul Tchamala, donc Azalipe confrère, avec qui on va essayer un peu d'épingler point vraiment assaillant ou Isaku comme actualité. Na, politique Nabiso RDC déjà. Bonjour Paul Tchamala, bienvenue dans Analyse. Bonjour Ndogo journaliste, donc c'est pour moi un grand plaisir d'être votre invité aujourd'hui dans cette émission. J'aime bien l'intituler Analyse, donc qui a trait à l'actualité. Mm-hmm. On va essayer un peu donner le meilleur de nous, connaissant un peu dans le monde politique actuel. Vraiment. En tout cas, Paul Tchamala, en même temps analyste politique. Journaliste, analyste politique, voilà. Voulais-je dire. Voilà, l'actualité oblige. Nous avons parlé Kalamingité. Bon, ça, photos à la bilingue pour la bande de Goutou, parce que nous sommes sans oublier que le solo est dérangé. Moi, quand même, c'est que le solo est à corruption. Il y a députés provinciaux. Il y a UDPS. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à Lokwana qui n'a UDPS, OISA, parti, tu vas respecter les délais. Les gens ont beaucoup d'estime pour ces partis politiques. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, en tout cas, quoi il y a un temps où il y a corruption. Les gens de journalistes ont éclairé l'opinion que ce n'est pas seulement le député des provinciaux de l'UDPS qui ont été corrompus, mais même aussi certains de la Mouka. Il ne faut pas oublier, il y a certains députés de la Mouka aussi qui ont vendu leur voix pour essayer un peu de s'élancer dans cette situation-là de la corruption. Mais également aussi, certains également du FCC. Papa, vous savez, il y a un problème sur rien. Le président Félix, lorsqu'il a été élu, parce qu'il faut dire que c'est le président élu et de tous les Congolais. Alors, oui, là, ce sont de... Baba continue, confusion. Faisant Félix, il a quand il y a précision, il a quand il y a confusion. Alors, lorsqu'il a été élu, il faut le dire, il avait dit qu'il va faire la lutte contre la corruption comme son cheval de bataille. C'est parmi les armes lourdes du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de combattre la corruption. Parlons de l'actualité, ce qu'on vient de constater, compte tenu des élections de sénateurs, des élections sénatoriales, il y a eu des députés justement qui se sont laissés céder dans la corruption. Donc ce qui a dérangé, qui a même guetté le président en particulier, vous avez vu même qu'il a... utiliser cette option de pouvoir décider de par l'article 69 de la Constitution de la République qui lui donne justement cette habilité de pouvoir décider et garantir également aussi la bonne marche et le bon fonctionnement des institutions de la République. Donc ça a été très bien avec la décision. C'est étonnant ce qu'on remarque les candidats aussi de l'UDPS. Voilà, c'est ce qui fait qui a fait rage l'autre fois. On a vu les députés élus, dans des députés provinciaux de l'UDPS qui s'est retrouvé aussi dans cette bande-là des corruptions. Vous voyez que non, ça déshonore les partis. Voilà. Lorsque vous avez parlé de la bande, c'est bon que maintenant je considère votre question par rapport à la première. Oui, une bande de corrompus, certainement, mais qui vont devoir subir. Parce qu'il faut voir comment est-ce que la base a réagi. Regardez, monsieur, on va se dire quelque chose. Nous sommes maintenant dans un état de droit. Nous vivons dans un état où l'on va citer chaque animal par son nom. Nous sommes en train de faire un effort d'arriver dans un état des droits. Non, non. Si nous étions en train de faire cet effort,
Mais peut-être le président Félix n'aurait dû pas se prononcer. Oui. Vous savez le pourquoi cette urgence de cette réunion interinstitutionnelle? Vous savez le pourquoi? Oui. C'est parce que, aussitôt que le président élu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi avait pris le pouvoir, c'est à ce moment directement, on s'est dit, personne, chacun chez lui à la maison, s'est dit déjà, nous vivons dans un état de droit. Tout le monde chez lui pouvait se dire, nous sommes dans un état. C'est venu automatique. Alors, je vous l'ai dit que, en voulant un état de droit, vivant dans un état de droit, c'est tout à fait normal que l'on constate que le corrompu existe et qu'il y ait réaction de la base qu'on a, on a tous observé pendant un certain moment. Mais je crois qu'il y aura une très bonne solution, d'autant que les instances justement qui ont qualité de pouvoir mener l'enquête contenue à cette situation, je veux dire, c'est les enquêtes sont en train d'être menées et dans peu de temps, on aura déjà une certaine conclusion par rapport à cela. Voilà, Paul Tshiamala, aujourd'hui, les gens se plaignent pour dire que non, il y a Augustin Kabuya qui intervient à chaque fois s'il faudrait parler du président sur ce qui concerne Félix Tshisekedi. Et il y a Augustin Kabuya qui se prononce, il est toujours là pour communiquer, pour donner des messages. Or, il n'est pas habilité à ça. Augustin Kabuya est le porte-parole du cash. Non. Il est de l'UDPS. Mais il faudrait dire que l'UDPS a fait un certain moment un mariage entre UNC, UDPS et les alliés qui ont formé cette formation cash. Voilà. Alors, quand Augustin Kabuya passe à la télé ou encore dans les médias pour parler, il parle au nom du cash. Et faut, personne n'est ignorant que le cash aujourd'hui est aux affaires. Et tout à fait normal qu'Augustin Kabuya puisse engager certaines questions. De même, on pouvait voir aussi une personne du FCC passer aussi. Oh. Et pourquoi on ne voit pas une personne des FCC attends, passer attends, pour... Attends. Oui. Quelque chose doit éclairer l'opinion aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu mariage, je dis bien, pendant la période électorale, avant d'y arriver, j'aimerais que les gens puissent m'écouter maintenant. Est-ce qu'il y a eu mariage entre UDPS et PPRD pour gagner les élections? Il y a eu mariage entre cash et... Il y a eu mariage entre UDPS et UNC. C'est ce mariage-là qui a fait de sorte que le pouvoir soit aujourd'hui justement du côté de cette formation, également de cette plateforme. D'autant plus qu'on voit il y a coalition déjà entre FCC et cash. Et on voit de l'autre côté Augustin Kabuya qui est le chargé des communications pour les cash. Du même, on devait voir aussi une personne du FCC aussi pour... Vous avez une idée par rapport à ces documents qui fait le partenariat entre FCC et cash? Vous avez ces documents? Il y a eu le document qui a été publié. Quelles sont les attentes qui se trouvent dans ces documents-là? Oui, c'est moi qui pose Vous allez questions. Voir. C'est vrai, vous, monsieur le journaliste. Voilà. Mais ce que je ne veux pas ici, c'est répondre aux rumeurs. Répondre aux choses, peut-être que non. On sait voir que cela n'est pas conforme à ce qui s'est dit. Maintenant, pour le mariage entre l'opinion, voilà. Quel est le rôle d'Augustin? Augustin Kabuya est le porte-parole du cash. Il est également le porte-parole de l'UDPS. À chaque fois qu'il doit passer à la télé parler ce qui concerne l'actualité politique, il est libre parce que c'est un homme politique. Non de la moi, je ne suis pas le porte-parole de Augustin Kabuya. Je suis moins encore de l'UDPS. Moi, je suis qu'un analyste politique également. Je soutiens l'axe du bien et je fais partie de ces journalistes qui ont voulu est-ce que nous ayons l'alternative. Nous avons l'alternative aujourd'hui. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est là au pouvoir et nous sommes en train de palper, de voir pendant le programme de ces 100 premiers jours. Déjà, il y a eu certaines réalisations. Et ce sont même des sujets d'actualité qu'on doit parler au lieu de chercher d'en parler compte tenu des rumeurs. Nous le savons bien, ce sont les gens de la Mouka chaque jour qui sont sur l'internet pour essayer de falsifier certaines informations qui ne sont même pas conformes aux réalités. Hein, nous le savons, ces gens-là qui peuvent s'embrouiller, ils veulent, ce sont de la Mouka avec le Fayoulou, les Bemba, les Moïse. Nous sommes là, nous soutenons le président qui est au pouvoir. Et nous soutenons ce président, pourquoi? Parce que nous voulons le bien du Congo. Quand le Congolais souffre, c'est un malheur pour toute la République. Et voilà le pourquoi, moi j'aimerais bien éclairer l'opinion. Augustin Kabuya, c'est un homme politique, c'est un porte-parole d'une grande formation politique. Il fait partie d'une alliance politique qui est aussi pas la moindre, mais qui est aux affaires aujourd'hui. Il est libre de pouvoir passer et dire éclairer l'opinion quand ça ne va pas. Alors là, ce n'est qu'une parenthèse, je peux remettre, mais aujourd'hui, la grande question d'actualité reste à savoir le pouvoir à tous les niveaux, le pouvoir d'un
l'intégralité du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce qu'on est, on doit savoir, on doit vivre avec? Nous parler de l'ennui, du fait qu'il y a coalition entre FCC et CASH, on remarque que l'FCC détient la majorité parlementaire. Bon, quelque chose ici, moi j'ai toujours voulu expliquer aux gens, il y a un problème qu'on a vécu. Quand on devait aller voter, il y a eu beaucoup qui ont voté le député du FCC et qui ont voté à la présidence un opposant. Vous le savez. Il y a eu beaucoup. La population a mal voté du point de vue législatif. La population a mal voté les députés. On a sanctionné la présidence, mais on n'a pas sanctionné le député. Il y a ces députés qui ont été élus par le biais de certaines structures soutenant des actions un peu ayant trait au social et tout. Et nous, et puis, tout en étant enveglé, certaines personnes n'ont pas tenu compte. Des corruptions aussi quelque part. Mais ce sont ces députés-là qui ont trompé la population et la population n'a pas eu cette maîtrise, s'est fait tromper et la population est allée voter ces députés. Si aujourd'hui nous avons le FCC, dis-moi, monsieur le journaliste, lorsque vous arrivez aussi à mener vos investigations, n'avez-vous pas constaté qu'il y a de ces pasteurs aujourd'hui qui sont au pouvoir, mais après on a constaté qu'ils sont du FCC? Et ça, tout le monde va appeler pasteur. Va voter pour un pasteur. Est-ce qu'on l'a dit que non? Donc, on va condamner le président Félix pour la carte du Parlement. Le député FCC va se bêler. Non. Parce que la population va se craindre. Est-ce que Félix Tshisekedi a travaillé à Zolinga? Du fait que la majorité parlementaire est en train de la FCC. Il y a des combats pour un premier ministre. Il y a des combats pour un président. Félix a nommé déjà chef du gouvernement. Il y a des combats. C'est pas une raison de boycotter. Il y a des combats pour l'opinion. Il y a des combats partout dans le poto. Il comprend que les gens sont en train de se faire. Je me réjouis à nos amis de la diaspora qui nous regardent. Nous avons un sérieux problème. Le problème n'est pas le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais le problème se situe au niveau du choix. On avait mal voté le député. Tous ces députés qui sont du FCC aujourd'hui au Parlement ont trompé la population. Basakani na biso, donc ayena simelo on va voter. Ils sont en train de contester les élections législatives. Hein? Ils ont là-bas au bazou contester les élections législatives. Mais ça y est, même si on conteste aujourd'hui, hein, on n'aura pas de preuves que ces gens-là ont volé en ce qui concerne les élections législatives. Je viens de l'expliquer ici, c'est clair. Mon explication n'a pas été qui coûte français, pour expliquer tout. L'explication n'a pas été claire. Ils ont des députés, mis sous la population vota qui grave. Aux hommes, on a une bataille, on a une Bible, on a une association, on a une structure. Muyango salibo natata koma mutu ya natata kombo ya président Fayulu pour un problème les États-Unis libre à co véhiculer message naye et peut réclamer sa soi-disant victoire Nengalingi. Les gens mutu mususa qui a voté naye Fayulu. Hein? A pas voté le pasteur Godin Poi. T'es dans ma série. Que non, pasteur Godin Poi Azaria FCC. A ébiné tant que non. Mutu mususa qui naye a voté naye Félix. A pas voté le papa Molière. C'est tout condamné, c'est nité. Donc, je te dis aujourd'hui, en fait, le débat concerne la corruption, encore la tricherie, comme le monsieur Fayulu ou qui réclame chaque jour sa soi-disant victoire. J'ai toujours dit, même si aujourd'hui on mettait Tercel sur Tercel, hein, on va constater la CENI n'a même pas triché. C'est la population elle-même qui n'avait pas compris comment est-ce qu'il faut vraiment suivre à la loupe le député dans cette qualité du président de la République en tant que le garant de la nation, dont l'article 69 de la Constitution, justement, lui donne ce pouvoir de pouvoir rassurer, encore bien gérer l'institution de la République, doit chercher, avec toute intelligence qu'il y a et son cabinet, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'on puisse fonctionner comme il faut, avoir un gouvernement très conscient. Aujourd'hui, la Mouka, déjà en démarche pour changer la Mouka, en plateforme politique, de la plateforme électorale à la plateforme politique. Qu'en dites-vous? Plateforme électorale, plateforme politique. Je suis vu récemment ici certains cadres de la Mouka qui essaient un peu déjà de se ressaisir, hein, parce que beaucoup se sont ressaisis. Et là, c'est bien pour le Congo. Beaucoup ont compris qu'il y a un président qui est là.
Le nom c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Oiseau mêlé Mikolo, papa Loba qui le peuple d'abord. L'homme du peuple, parce que nous sommes en train de voir déjà certaines matérialisations par rapport à ce qui se trouve dans, dans son programme de 100 jours. Alors, certains cadres déjà de la Mouka, cette plateforme qui était électorale, qui devient désormais une plateforme politique, moi je ne serais pas étonné. Ils ont toujours été dans la confusion depuis très longtemps. Imaginez les gens qui nous envoient d'aller voter avec le papier duplicateur et les stylos. Toi tu serais étonné aujourd'hui de voir cette transformation là. Ou cette permutation là. Les gens qui nous ont dit, excusez-moi, parce que ça se disait comme ça. Oh, lorsque vous arrivez là-bas, vous prenez la machine à voter, exigez le bulletin. Mais tu ne vas pas voter. Voilà le pourquoi même. Hein. Moi, j'ai toujours été d'accord aux élections du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Même jusqu'à ma mort. Tu sais pourquoi? Les messieurs n'ont que prêcher. Votez avec ce qu'on va vous donner. Votez. Mais soyez vigilants. Avec ou sans la machine. Soyez vigilants. Ok. Hein? Protégez vos voix, surveillez vos voix. Et c'est ça que la population avait fait pendant les élections. Alors, moi, je ne serais pas étonné de voir aujourd'hui cette confusion et cette permutation d'une plateforme électorale à une plateforme politique. Je ne serais pas étonné. Et je ne serais pas aussi étonné demain de voir que certains cadres-là venir, parce que le président Félix a un grand cœur. Hein. Lui, il a ouvert son cœur. Quelle chance donnez-vous à cette plateforme, là, mon cas ? En tout cas, moi, je ne leur donne pas plus de chance, d'autant qu'ils vont continuer à réclamer une soi-disant victoire qui n'existe pas. Je ne leur donnerai jamais la chance pendant qu'ils sont en train de passer dans deux chaînes pour provoquer un soulèvement populaire. Je ne leur donnerai jamais la chance parce qu'ils veulent collaborer avec les impérialistes. Hein, vous le savez bien. Et ces impérialistes ont besoin de matières premières. Et ces matières premières, c'est ce qui engendre justement tout ce qu'on vit à l'est de notre pays. Hein, la tuerie, gravissime, il faudrait le dire, qui dérange la population parce que chaque jour, je ne donnerai jamais la chance à une plateforme qui se dit une plateforme politique, c'est pendant que c'est une plateforme des affairistes. Moi, je ne donnerai jamais la chance. Mais je leur dis simplement, le moment n'est pas encore passé. Ils doivent revenir à la raison. Le président Félix est là. Peut-être qu'ils peuvent aussi, je ne sais pas si, ça dépend du président. Hein. Et déjà si Moïse Katumbi commence déjà à donner sa position petit à petit, et s'il voulait aujourd'hui rejoindre le président Félix Tshisekedi. Voilà, j'ai toujours été des fois, bon, en fait je n'ai jamais compris le président Moïse Katumbi. Quand je dis que je n'ai jamais compris le président Moïse Katumbi, vous savez, un homme doit rester comme ça. Aujourd'hui, on ne peut jamais m'échanger d'avis sans, je dirais, mon sentiment encore, sans mon aval. Non. Le président Moïse Katumbi, celui d'ensemble, avait dit que non, à Genève, son choix était le président Félix, l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais on n'a pas compris, pendant la campagne, même si ce qu'il y a eu à Genève, il a battu campagne pour au compte de la Mouka, au compte de le Martin Fayulu. C'est lui qui veut le soulèvement populaire. Moi, je dirais, en tout cas, cela n'engage que moi. Je suis libre de réfléchir. Oui. Je n'ai jamais été d'avis ou d'accord avec lui. Avec Moïse Katumbi. Avec Moïse Katumbi. Il faudrait être comme ça. Il faut rester comme ça. Donc, il sait plus qu'aujourd'hui, il peut rejoindre Félix Tshisekedi et demain changer d'avis. Vous savez, même à la dernière minute, d'après ce qu'on a vécu pendant la campagne, toute l'injustice qu'il y a eu contre notre candidat, notre ancien candidat, parce que le nouveau président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, je vous dis, on était même à ce niveau de se dire même que, pourquoi pas, hein, dire que certains membres de la Mouka étaient aussi parmi, et ont eu aussi à financer certaines attaques. On a connu beaucoup de problèmes pendant la campagne, mais là c'est passé. Aujourd'hui nous sommes ouverts à tout le monde, nous avons travaillé avec tous les Congolais, mais ce qui me concerne, je n'ai jamais été d'accord avec le président Moïse Katumbi, parce qu'un homme doit rester comme ça. On n'a pas, il n'y a pas une prison qu'on pouvait aller lui mettre dans cette prison-là, ou encore on pouvait lui faire du mal, mais quand on veut quelque chose, on ne peut pas jamais vouloir son contraire. On ne peut jamais suivre deux lèvres à la fois. Mon choix était Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il devait rester dans son choix. Voilà, Paul Tshiamala, nous allons chuter avec cette question. Parlons des 100 jours de Félix Tshisekedi.
En tout cas, êtes-vous sûr d'avoir achevé, de pouvoir achever tout ce qu'il a prévu dans le programme des 100 jours? Bon, déjà ici, je vais appeler tout le monde à comprendre. Quand on dit un programme d'urgence, c'était un programme d'urgence. Oui. Rien que pour ces 100 premiers jours. Pour ces 100 premiers jours. En outre, il faudrait réfléchir. C'était pour nous déjà une manière de pouvoir dégager de bonnes intentions. De bonnes intentions qui composent le souci de pouvoir arranger ce pays. On sait que concerne tout le secteur, je dis tout le secteur. Vous allez comprendre en matière dans le secteur, en ce qui concerne l'éducation, oui. Il y en aura beaucoup de choses qu'on va essayer d'arranger. Il a promis que d'ici l'année prochaine, l'école primaire devrait être. C'est dans son programme, même pendant oui, la campagne. Mais dans la faisabilité, mon cher, le président Félix vient d'être là, il n'y a pas encore 4 mois. Il n'y a pas encore 4 mois. Vous savez, on a un programme d'urgence qui est là, où vous êtes ici à Kinshasa, vous avez des frères aussi à l'intérieur du pays, vont vous dire comment est-ce que les travaux sont en train d'être réalisés déjà. Il faudrait appeler ce ministre où on a confié momentanément parce qu'ils vont tous, on va leur changer. Et le président avait dit, la population est au Congo de Félix, au Congo de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lorsqu'on vous nomme ministre, il ne faut pas se réjouir. Aujourd'hui, on se dit, voilà, on pourrait retrouver les mêmes figures que nous avons eu à voir. On peut avoir le même figure, mais pas les mêmes habitudes, mon cher. On peut avoir le même figure, pas les mêmes habitudes. Mais qui d'abord acceptera d'aller en prison? Hein? Là, 100 premiers jours. Aujourd'hui, on libération aujourd'hui, on retrouvait encore. La mère Mendessi, aujourd'hui, on les retrouvait encore. Qui? Dans ce nouveau gouvernement. Qui? La personne de la mère Mendé. La mère? La mère Mendé. Vous parlez de l'ancien ministre de communication. Voilà. Ah, l'honorable si la mère Mendé, parce qu'il a été élu député. Oui. Et il avait aussi postulé aux élections sénatoriales. Il est aussi sénateur. D'après certaines informations, il paraît que c'est le seul candidat et automatiquement, ça doit être lui. Son adversaire a été poursuivi à ce moment-là. Des fois, qualité de Mourabongo. Ah bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vous dis, au Congo de Félix, lorsqu'on vous nomme ministre, il ne faut pas se réjouir. Là où règne un état de droit, je vous dis, on met en prison même le ministre. Si le président de la République lui-même ne va pas se donner le luxe de pouvoir aller au-delà de la Constitution encore et ne va pas se donner le luxe de pouvoir justement s'enrichir d'une manière abusive, je ne sais pas encore expliquer, et à combien plus forte raison qu'un simple ministre ne puisse pas être poursuivi en justice s'il arrivait à ne pas justement répondre aux attributions qu'on lui a confiées par le président de la République. Sinon, qu'en dites-vous des réactions de nos députés qui ne veulent pas qu'on puisse réviser leur salaire? En fait, c'est... Vous aimez trop de questions polémiques. En tout cas, c'est bien parce qu'on doit éclairer l'opinion. Vous voyez, ce sont un peu de choses qui énervent, qui fâchent aussi. Alors, concernant le député, vous devez comprendre que ces députés ont été aussi des élèves hier, des étudiants hier. Oui. Ces députés ont eu des parents fonctionnaires de l'État dans différentes institutions de la République, ou encore c'est des services publics. Ils doivent comprendre que ils ne peuvent jamais avoir un salaire au-delà d'un professeur. Ils doivent comprendre que ils ne peuvent jamais avoir un salaire, je dirais, très 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 costaud, plus qu'un professeur qui enseigne à l'école primaire ou encore à l'université ou encore, je ne sais pas, aux humanités. Plus qu'un militaire. Non. Non. Moi, je suis pour la réduction de leur salaire. Mais c'est là, pour s'il y a deux personnes, s'il y aura seulement deux personnes qui préfèrent la réduction de leur salaire,
et que ça sera seulement le président de la République. Et moi, Paul Tshamala, je l'ai dit, je suis fier d'en faire partie dans ces deux personnes. S'il y a 3 sur 5, en tout cas, je suis parmi ces 5 personnes qui veulent à ce qu'il y ait réduction de salaire de députés. Et c'est qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait l'année? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord pendant hier là à l'Assemblée nationale? Parce que ce sont eux qui doivent adopter cela à l'Assemblée nationale. Papa, va à l'Assemblée nationale, tu vas voir comment est-ce que ces gens-là dorment. Je t'informe, monsieur journaliste. Je suis d'ailleurs parmi ces gens qui veulent qu'on supprime le Sénat. Moi, Paul Tshamala. Je suis parmi ces gens qui veulent qu'on supprime le Sénat. Cette affaire de Sénat. Ça sert à quoi? Naebi ke ba baruluka ba landao ba batanga ba classe belé biso ba docteur ba ba contredire nga. Mais je leur dis, il y a aucune raison de pouvoir continuer avec une institution qui oui. bouffe l'argent de la République inutilement sans pour autant apporter des solutions. Le Sénat qui a eu hier, dis-moi quel travail qui a été effectué au niveau de ces Sénats-là. Aujourd'hui, la population peut dire que cela a été bénéfique pour le Congo. Vous allez voir, ça sert à quoi une institution qui ne résout aucun problème des Congolais et que l'on soit fier que cette institution puisse demeurer. Je suis pour la suppression du Sénat. Du Sénat et la réduction, et la réduction des salaires de députés. Des députés. Moi, et Paul Tshamala. Par quel moyen? Par quel moyen? Mais ce sont eux qui doivent voter ou encore adopter cela. Sinon, ça sera une sorte de dictature. Si le président de la République voudrait bien s'imposer à cela, ça sera une dictature. Papa, ils ne vont pas décider sur leur sort. Il n'y a aucune loi qui peut aujourd'hui être au-delà du pays, au-delà du pays, et qui ne cadre pas aux besoins, encore aux attentes de la population. S'il faudrait même violer la Constitution pour le bien-être des Congolais, je l'ai dit pour le bien, il y a un problème dans la vie qu'on doit comprendre. Est-ce qu'on appelle l'éthique? L'éthique. Est-ce qu'on appelle l'intérêt de la masse d'abord qu'on doit placer au devant de la scène? Le président de la République lui-même est pour qu'on puisse réduire son propre salaire. Voilà même. Et c'est là maintenant pose problème du côté des députés. Pourquoi? Parce que ce sont les députés. Bango Mokonde, il faut pas adopter le coup. Na Congo, il y a Félix Tolobaki qui est ce qu'on a député, aux ministres, aux alosa nani. Faut pas se réjouir. Et bandit. Ça va se faire, cette réduction de salaire. Leur salaire, on va diminuer. Et ils vont aussi vivre comme tous les Congolais. Et cette fois-ci, le président Kamer et le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamer, et le coach, avaient dit, Abakiboué, ba député, ba kusungabiso, ba kitsamutema, pour que l'intérêt de la population n'en ait à Liboso. Donc il dit, ba kondimato simba salaire. Ce n'est pas normal voir un professeur, un enseignant, toucher un salaire maigre, insuffisant, qui n'arrive même pas à nourrir le deux bouts du mois de sa famille, et voir un député avoir 13 000 dollars le mois. Le mois. Papa. Et puis, sur le temps de la loi, vous avez jamais tout le monde application à la loi, mon robot, ils permettre que ma salaire, ma professeur, ma messier, ma soldat, ma banine. Ils arrivent à la loi, mon robot, on a encore bien. La loi, mon robot est très classique, nous avons votre carte. La loi, mon robot est bien assise, bien con. La loi, mon robot, on a un code minier. Boum, de balo, on va pouvoir voter. Total, nous, Mambotali, Tamoussou, Colata, ma costume, chaque ministre, ta costume, à côté de la bureau. De balo, on va voter. Babilo, bon, son monde à mon amour. Mais balo, on voter que le Congolais a l'air à trois fois dans la journée. Yo, son monde, on a l'assemblée nationale. Congolais a l'air à trois fois dans la journée. Donc, tu te réveilles le matin, tu manges. À midi, tu manges. Le soir, avant de dormir, tu manges. Mais en social même. Mais c'est ça, il y aura la sociale. Mais ce jour-là, toi, tu penses que quand on parle social, c'est quoi le social au Congo? Les Congolais veulent manger. Quand le Congolais va arriver, encore, quand le Congolais mangera, ça c'est le moment que la politique au Congo aura, va occuper une petite classe de personnes qui vont s'intéresser. Mais aussi longtemps que les Congolais ne vont pas manger trois fois la journée, les Congolais ne vont pas bien manger,
Je te l'ai dit, la politique, tout le monde va faire la politique. Oui, la politique sera dite même par le petit enfant. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Paul Tchamala, un petit mot par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et puis, quelques salutations à tous ceux qui sont déjà branchés sur 3DV.Congo Dialogue. Nous voilà, sommes arrivés à la fin. Voilà. Bon, c'est d'abord un grand plaisir pour moi d'être votre invité aujourd'hui. Et je pense qu'on a dit l'essentiel. Notre manière de communiquer a été très simple. Oui. Je n'ai pas voulu avoir de gros mots compliqués pour éclairer surtout tous les Congolais en ce qui concerne la politique. Vous voyez, même on expliquait ici concernant la majorité du FCC au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. J'ai bien expliqué que le problème était beaucoup de députés se sont cachés derrière des structures, des associations, des églises pour être votés. Et par après qu'on a constaté, ils étaient du FCC. Ça a été très bien compris, même mon message là. Et on a expliqué beaucoup de choses ici. La communication, je le fais très facile pour essayer de clairir un peu et de clairer l'opinion, d'en comprendre beaucoup plus dans beaucoup de détails et clairement ce qui se passe ici dans notre pays. J'aimerais simplement dire aux gens qui nous suivent, les Congolais, partout dans le monde, vous qui nous suivez maintenant, vous devez le savoir, nous avons un président qui a le souci de changer le Congo, de transformer, de changer le mental même de l'homme congolais. Cette personne, ce président, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui qui a dit non au tribal. Le moment où il est venu de comprendre qu'il existera toujours de blocs ou encore il existera toujours de plateformes politiques ou je ne sais pas moi, ça, je ne sais pas n'importe quelle couleur donc, ou encore n'importe quelle connotation, ces plateformes pourraient être demain pour essayer de combattre les Josué qu'on a avec nous. Le combat, il a même dit, Nabatou Yassenko, Abi, il ne va pas trahir son père. Le combat de son père, c'est le combat de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Soutenons le président de la République, apportons nos soutiens, soyons derrière lui. Si nous aimons franchement le Congo, si nous croyons franchement à l'alternative dont nous venons d'avoir aujourd'hui, parce que c'est un opposant qui est aux affaires aujourd'hui, c'est un opposant qui est aux affaires. J'aurais dû être contre si peut-être c'est Shadary qui aurait gagné. En tout cas. Vous voyez, sinon c'est un opposant. Puisque c'est un opposant qui a gagné, qui est là, le temps ne plus d'être dans de querelles, dans de disputes, d'être dans de différences, dans la discrimination, dans le tribalisme. Hein? Je demande vraiment à nos différentes tribus, toutes les tribus qui composent le Congo, de pouvoir cogiter ensemble, de vivre ensemble pour le bonheur. Nous avons un président qui est là et qui veut le bonheur du Congolais. D'ailleurs, qui avait dit pendant son investiture, aujourd'hui nous ne fêtons pas la victoire d'un camp contre l'autre, mais nous fêtons la victoire de tous les Congolais. Cet homme, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'homme de la diplomatie. C'est lui qui sait faire les choses au-delà. Et aujourd'hui, je vous assure, même l'insécurité qu'il y a à l'Est là-bas, dans peu de temps, va finir. On va vivre le Congo plus beau qu'avant avec ce monsieur. Et avec sa politique de gagnant-gagnant. En tout cas, je vous jure, messieurs les journalistes, nos richesses, nos matières premières vont être bénéfiques pour la population. L'on va consommer comme il faut. On va manger 3 fois par jour. Je ne suis pas en train de faire le dialoguisme ici. Je ne vante pas le président de la République. Mais je suis simplement en train d'encourager déjà les efforts premiers qui se manifeste, qui se dégage, qui se palpe même du doigt déjà. C'est 100 jours. Et je crois que après le programme d'urgence de ces 100 jours, il y aura un programme qui va être bien établi, bien assis, qui aurait même déjà même, bien établi, bien assis, pour le bonheur du Congo pendant ces 5 ans. Et nous croyons que si le président Félix arrive à octroyer satisfaction à la population, il aura même plus que 5 ans. Ici, je ne peux pas finir comme ça. Pour ceux qui aimeraient bien me trouver particulièrement, peuvent aussi me trouver sur Facebook. Je suis Paul Tchamala. Tout comme ils peuvent composer le plus 243 81 234 14 34. Plus 243 81 234 14 34 via WhatsApp. On peut se communiquer. Et sur Facebook, vous avez dit Paul Tchamala. Paul Tchamala. Voilà, tout sur Facebook, c'est bon. Voilà, en tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui avec Paul Tchamala. Paul Tchamala qui était notre invité des analyses, mesdames, messieurs. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com.